Bientôt, on va rentrer en jeûne et prière de 21 jours. Mes frères, mes soeurs, tu dis oui, je suis en retard, je ne comprends pas mon travail, je ne comprends pas mes finances, je n'avance pas ceci, cela, je suis bloqué. Venez, on va jeûner. Venez, on va jeûner, je sonne la cloche de la prière. Venez, on va jeûner. Dieu peut te faire tomber sur ce programme juste parce qu'il veut un déclenchement dans ton lieu de travail, un déclenchement dans ton couple, un déclenchement dans la vie de tes enfants, un déclenchement dans ton travail, un déclenchement dans tous les domaines au niveau de ta famille. Dieu sait, au niveau de ta santé, au niveau de tes finances, il veut faire un déclenchement. Donc, il peut te pousser à rentrer dans ce jeûne avec nous. Nous sonnons la cloche. Il y a beaucoup de témoignages, mes frères, mes sœurs. Écoutez-moi, mes frères, mes sœurs, il y a des complots spirituels dans certaines entreprises. Il y a des complots spirituels dans certains lieux où on travaille. Il y a des complots spirituels parce que plusieurs personnes qui travaillent ensemble, c'est plusieurs esprits qui sont là. Et chacun a son protecteur spirituellement. Chacun a sa religion, chacun a ses pratiques, chacun a sa foi. Et puis vous êtes ensemble. Donc c'est celui dont son Dieu est réveillé là qui va gagner. Mais souvent, toi, tu dis tu es chrétien. Tu es dans une telle atmosphère, tu ne pries pas. Le matin, tu viens, tu ne pries pas. Le soir, tu retournes, tu ne pries pas. Tu n'es au courant de rien. Tu es aveugle spirituellement. On t'arrache tout. On te met les bâtons dans les roues. On te met en retard. Et tu es là. J'ai dit, il y a des complots spirituels au travail. Parce que plusieurs personnes qui travaillent, c'est plusieurs esprits ensemble. Et chacun a sa croyance. Chacun a son Dieu. Il y en a qui sont sans Dieu, ils ne prient rien. D'autres sont mystiques. Certains, ils ont leur religion. Il y en a qui sont chrétiens. Il y en a, en tout cas, et vous tous, vous vous retrouvez en train de travailler. Donc, spirituellement parlant, il peut y avoir des choses qui se passent. Il peut y avoir des choses qui se passent. Parce que le lieu de travail, c'est là que chacun prend son argent. Le lieu de travail, c'est là que chacun va avoir son augmentation. C'est là que chacun va avoir un certain niveau social à partir du lieu où vous travaillez. Donc, il y a des complots spirituels qui se passent. Quand on annonce comme ça qu'on doit faire des temps de jeûne et prière, certains se limitent juste à écouter les enseignements, à écouter les histoires que les gens nous ramènent avec les conseils qu'on donne. Voilà, ils se limitent à ça. Mais ils ne comprennent pas que peut-être que Dieu voudrait qu'ils entrent avec nous dans ces temps de jeûne et prière que nous faisons. Parce que chaque fois que tu dégages de la puissance spirituelle, il y a des choses qui normalement ne devaient pas être dans ta vie, ou bien des choses qui devaient être là et qui t'ont échappé. La puissance spirituelle que tu dégages pendant les moments de jeûne et prière, ça crée un rattrapage. Peut-être même que spirituellement parlant, tu devais être à un niveau, mais tu n'y es pas. Tu n'as pas la vie de prière qu'il faut, tu n'as pas la révélation de Dieu qu'il faut, tu as la paresse, tu n'arrives pas à prier. Donc les moments de jeûne et prière te propulsent, ça te permet vraiment d'être à jour spirituellement. Donc vous qui avez l'habitude de suivre les enseignements, vous qui travaillez, souvent même dans votre bureau, vous tous vous écoutez. Ou alors chacun voilà, a son appareil et puis l'écoute avec ses écouteurs, ou alors vous en parlez les uns aux autres voilà, par rapport aux vidéos qu'on met en ligne, les conseils qu'on donne et tout. C'est à vous que je veux parler. Vous qui suivez les enseignements qu'on met en ligne et qui travaillez, tous ceux qui travaillent, qui suivent les enseignements, la vidéo là s'adresse à vous. Mes frères, mes sœurs, si depuis un certain moment tu devais avancer puis tu n'avances pas, tu dois te poser des questions. Si tu es au même niveau depuis longtemps, tu dois te poser des questions. Dieu veut qu'on évolue. Dieu veut qu'on avance. Il y a des fruits pour chaque saison. Donc, ce n'est pas normal que tu sois voilà, à un niveau depuis des années. Vous avez l'habitude de ramener les combats spirituels dans le monde physique. Non, il y a des combats qui doivent rester là-bas dans le monde spirituel. Parce que ceux qui vous combattent spirituellement là, dans la vie, ils sont normaux avec vous, ils ont des relations normales avec vous, ils ne vous montrent même pas qu'il y a un problème. Et c'est dans le monde spirituel qu'ils vous attaquent, ils font des choses pour vous arracher des choses, ils font des choses pour vous bloquer, ils font des incantations. En tout cas, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Mais quand tu tombes sur un collègue ou des collègues, quand tu tombes sur des patrons, tu tombes sur un responsable, un manager qui est investi dans le monde spirituel diabolique, mais tu as des problèmes. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, vous qui travaillez et qui suivez les enseignements là, comprenez que même dans le lieu de travail, même dans l'entreprise, même dans la succursale où tu es, même dans tout le domaine dans lequel tu es, il peut y avoir des complots spirituels. Je vous raconte quelques petites histoires que les gens ont l'habitude de me faire venir. Il y a un monsieur, lui, il travaille ici en Europe. Il dit qu'il a une de ses collègues-là. C'est une ancienne magicienne. Elle lisait dans les boules.
Voilà, elle faisait ses pratiques-là. C'était son travail. Hein. C'était que ça qu'elle faisait. Elle vivait de ça. Les gens venaient la consulter et tout et tout. Et puis, bon, à un certain moment, elle a décidé bon, de faire un travail normal. Elle allait, voilà, faire une formation. Et puis, maintenant, elle travaille. Elle est dans leur entreprise. Et donc, la dame-là, elle a l'habitude de leur dire, vous, est-ce que vous savez que c'est moi qui gère les émotions du patron? C'est que je décide, c'est ça qu'il fait. Donc souvent, ils peuvent être en train de causer de quelque chose. Et puis, elle va répondre, mais non, le patron, il ne va pas faire ça. Hein. Il ne va pas faire ça. Je ne vais pas le laisser faire ça. Et effectivement, ce n'est pas qu'elle crie sur lui ou bien elle lui donne des ordres. Non, mais ce qu'elle a dit là, elle vient juste lui faire une proposition. Et c'est ce qu'elle a dit que le patron, il fait. Vous voyez, les gens savent qu'il y a plusieurs sciences. Il y a le monde physique. Et il y a le monde spirituel. Si physiquement tu es son patron et qu'il n'arrive pas à agir sur toi, il peut te commander dans le monde spirituel. Si toi aussi tu n'as pas une protection, si tu n'as pas une puissance supérieure à sa puissance à lui. Donc elle a dit que c'est elle qui gère les émotions du patron. Ce qu'elle ne veut pas qu'il accepte, il ne va pas accepter. Ce qu'elle veut qu'il accepte, c'est ce qu'il va accepter. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc, comme ça, elle a arraché beaucoup de droits à certains de ses collègues. Quand ils ont droit à quelque chose et qu'ils vont aller voir le patron, elle a dit, il ne va pas accepter. Et effectivement, il ne va pas accepter. Elle leur crée tous les problèmes. Voilà, c'est de ça que je parle quand je dis les complots spirituels. C'est-à-dire que ce n'est pas physique pour dire que tu es au courant de quelque chose, tu vas déjouer ça. Ça se passe de manière spirituelle. Donc toi, si tu te limites à juste travailler sans tenir compte du fait que tu dois prier, sans tenir compte du fait que tu dois connaître les combats spirituels, sans tenir compte du fait que tu dois avoir le discernement, tu dois vraiment être connecté à ton Dieu et que tu es en guerre. Si tu es dans un tel milieu, ils vont te dépouiller, ils vont te mettre en retard. Finalement, même tu peux perdre ton travail ou alors tu travailles et puis tu n'arrives même pas à bien vivre de ton salaire. Tu as toutes sortes de problèmes. Les gens, ils te mettent en retard. Tu n'as pas, tu as droit à quelque chose, on ne te donne pas parce qu'il y a des complots spirituels au travail. Donc, mes frères, mes soeurs, bientôt, on va rentrer en jeûne et prière. Les moments de jeûne et prière sont des moments intenses où on dégage de la puissance spirituelle. Quand tu vas prier, même si tu ne sais pas que quelque chose se passe, la Bible dit, l'Esprit de Dieu prie à travers nous, pas des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que pendant que toi, tu es en train de prier normalement, le Saint-Esprit prie en toi et il sait ce qu'on a fait par rapport à ton travail, par rapport peut-être à ton mariage, à ton enfantement, à ta santé. En tout cas, l'ennemi, là, il vient pour dérober, égorger et détruire. Donc, si jamais il a fait quelque chose de ce genre dans ta vie, ou alors s'il a semé l'ivraie, il a mis des choses qui sont en train de te détruire, pendant que tu pries, la puissance qui est dégagée, dans ton moment de jeûne et prière, le Saint-Esprit prie à travers toi, alors ces choses-là sont combattues même à ton insu. Souvent, la révélation de Dieu se trouve à un certain niveau. Donc, il faut que tu sois en prière pour que tu puisses saisir ça. Souvent, Dieu veut te parler. Il te réveille la nuit. Viens prier. Tu ne vas pas prier. Or, ce jour-là, quelque chose devait se passer. Il voulait te parler, t'avertir pour que tu ne tombes pas dans le piège. Il y a tellement de choses desquelles le Seigneur veut nous délivrer. Quand il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ces prières-là ne sont pas vaines. Tu ne peux pas savoir quel complot spirituel on prépare contre toi. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce que l'ennemi veut faire pour détruire ta vie. Mais si tu es en communion régulière avec ton Dieu, il te révèle, il te parle, il t'avertit, il t'envoie les messages. Je veux vous inviter à venir faire cette expérience avec nous pour ceux qui ne l'ont jamais faite. Je veux vous inviter à venir faire avec nous les 21 jours de jeûne et prière du mois de septembre. Nous commençons le lundi 4 septembre. Faites un effort, prenez courage. Il y a des situations qui méritent qu'on dégage de la puissance. Tu dois évoluer dans ton travail. Tu dois déjouer tout complot spirituel contre ta percée, contre ta promotion, contre ton augmentation, contre ta nomination. Mes frères, mes sœurs, la vie là, c'est, on doit combattre en permanence. Mais on combat dans la victoire, pas avec le stress. On combat, les anges ont besoin de nos prières pour agir. Venez, on va jeûner et prier. C'est tous les jours de 6h à 18h pendant 3 semaines. Ceux qui ne peuvent pas faire à partir de 6h, vous pouvez faire à partir de 8h.
jusqu'à 16h et puis vous arrêtez. Mais sinon, c'est de 6h à 18h. En tout cas, si tu as un problème particulier, si tu es malade, tu prends des cachets, ou alors tu es une femme enceinte, tu es une femme qui allaite, tu peux réadapter. Mais ne restez pas là sans rien faire. Ce sera un programme très intense. Ce jeûne sera un jeûne de révélation. Le thème, c'est connaître Dieu pour faire des exploits. Rejoignez-nous. Le lundi 4 septembre, on commence. Pour avoir toutes les informations, il faut vous abonner à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Vous vous abonnez à ces chaînes-là. Comme ça, dès qu'on met les informations, vous les avez et vous suivez avec nous. Il y aura des temps de prière en ligne les mercredis à 12h30. Il y aura des proclamations que chacun va faire chaque jour. Il y aura des prières personnelles que chacun va faire au moins deux fois en 24 heures. Il y aura des mini-veillées personnelles où chacun va prier comme si c'était un combat pour ta destinée. Il y aura beaucoup de choses, des méditations de la parole et tout. Vraiment, ce sera alléchant spirituellement. Donc, rejoignez-nous. Le Seigneur va nous bénir tous. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ces chaînes. Informez vos amis, vos collègues, vos connaissances, vos familles. On peut le faire ensemble. Et puis, le Seigneur va bénir chacun de nous. On a l'habitude de dire, on monte dans le train du jeûne. Le train démarre le lundi 4 septembre. Montez, 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 montez. Prenez vos tickets dès maintenant. Que Dieu vous bénisse. Et puis, restons connectés jusqu'au jour du jeûne.